Il l'avait chez lui pendant depuis deux ans. Pour un mètre à bord, et puis ouais, je dis attends, il tire à rien. Ben non, il est dans mon garage. On est là, c'est la promo de panneau, on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, nous on est là. Alors attends, je vais mettre celui-là. Et on est là. C'est bon, regarde. On lâche rien. Je me trouve sur le rond-point de la Légion d'honneur parce que vous avez aujourd'hui non seulement les gilets jaunes de La Rochelle, mais il y a ceux de Niort. Alors de mémoire et dans le désordre bien sûr, ceux de Rochefort, ceux de Royan, des gilets jaunes de Saint-Jean-d'Angély, bref du Poitou-Charentes, de Niort je vous l'ai dit, oui bien sûr. Voilà, on est en direct mesdames, messieurs. En direct du rond-point de la Légion d'honneur, en direct du rond-point des Gilets jaunes. Le rond-point est en train de prendre ses couleurs jaunes. Voilà. Vous pouvez klaxonner, vous pouvez venir les voir, vous pouvez venir prendre un café, vous pouvez venir discuter avec eux. Je vais vous montrer un personnage qui se trouve dans le rond-point. Il est là. Il est là. Ils vous attendent ici. Ils vous offrent un café ici. Et ils discutent de la situation. On va t'emmerder chez toi, Emmanuel Macron, sale gueule de con. On va t'emmerder chez toi. Voilà encore d'autres qui arrivent. Voilà des klaxons, hein, comme d'habitude, ceux qui klaxonnent pour dire qu'ils sont d'accord, qu'ils sont gilets jaunes depuis le début. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, malgré tout ce qu'on a pu dire sur ces gilets jaunes, et ben, moi je parle en tous les cas de ceux de La Rochelle, de la région, bien sûr. Hein. On est loin de ce que l'État, le gouvernement, vous a dit sur tous ces gens qui sont là depuis 2018 et qui n'ont pas lâché. Et malheureusement, ça prouve qu'ils avaient raison. Voilà, en tous les cas, ils sont ici tout au long de la journée. Je vous propose de, si vous avez envie de venir les voir, vous aurez toujours un café, vous aurez toujours la possibilité de discuter avec eux. On va écouter un peu ce qu'ils disent. Voyez, ça klaxonne. Ok. Vous avez donné tous ces détails depuis 2018. Pourquoi les gens n'ont pas suivi sur les gilets jaunes? Oui, ben, c'est vrai que
Les gens n'ont pas. Au départ, ils nous suivaient, et puis petit à petit, il y a eu une division dans les gilets jaunes, il y a eu une séparation, et le coup du confinement, ça a tout foutu le bordel. J'ai oublié l'expression, mais c'est ça. Ça a foutu le bordel, voilà. Donc c'est pas normal, voilà. On aurait été nombreux, mais il faut que les gens sortent, parce que les gens, ils gueulent, mais ils ne bougent pas. Ils restent chez eux, ils attendent qu'on le fasse à leur place. Alors plus on sera nombreux, plus on gagnera la bataille. Voilà, mesdames, messieurs, merci d'avoir suivi ce live, ce direct du rond-point des Gilets jaunes. Ils sont ici tout au long de la journée. Ceux de Rochefort, ceux de Royan, ceux de Niort et ceux de Saint-Jean-d'Angély. Allez, on arrête là. Je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon week-end. Profitez bien du soleil. Attendez dans la semaine pour faire votre plein. Si vous avez du diesel, à partir de lundi, mardi maximum, il y aura moins 35 centimes. Et si vous avez du sans-plomb, on devrait avoir 9 ou 10 centimes de réduction. Ce sera toujours ça. Ça permettra d'acheter soit un petit bout de beurre, soit des haricots verts, soit les deux. Non, je déconne. Oui, j'ai dit je déconne. Bah, je plaisante aussi. Bonne journée, c'était Marcus avec vous. Courage. Courage, salut.